rien à faire, j'ai traduit, rien à foutre. Ouais, ouais, d'accord. Mais j'ai entendu deux sons en tout et pour tout, sur toute l'aventure. Quand le petit robot, quand la première fois dans le premier engin, parce que je voyais le plafond voûté qui était crème, crème assez soutenu d'ailleurs, qui était à côté de moi à gauche, là, à gauche, et avec le casque qui dépassait où j'étais allongé, toujours été allongé. avec son casque noir, dont j'ai la photo, enfin le dessin là, qui a regardé à gauche, à droite, s'est penché, et d'une voix métallique m'a dit Tao, Bao. Et après, vas-y Toto, j'avais un hublot à ma droite, là, d'un un peu bleu, bleu nuit, teinté. C'est... Alors comme je dis, l'impression de vitesse m'est restée pendant des mois. Et quand je dis vitesse, tout est relatif. Mais la façon que ça défilait dans le hublot, je dirais pas vitesse luminique, je ne sais plus où j'en suis. Hein. Et je me suis permis de rouler à 220 km/h sur l'autoroute. On aurait dit que je n'avais même pas démarré à côté de la sensation. Et j'entendais un doux ronronnement. C'est les deux bruits par les oreilles que j'ai eus lors de cette affaire. Mais vous étiez étendu à ce moment-là. Étendu. Et vous avez l'impression que l'OVNI décollait et faisait un grand tour alors. On décollait. On bourrait. Ça. Vous avez vu les étoiles défiler par le bleu. C'était plus... Donc déjà... Attendez, le tunnel de NDE, si vous voulez. Alors attendez, je veux savoir, parce que vous, vous êtes détendu. Comment est l'environnement autour de vous? Attends, là je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je faisais que ça. Hein, parce que on n'est pas ceux qui discutent avec, venez voir les machines. Je vous dis non tout de suite. Ah, oui. Par contre, il m'est resté aucun souvenir du sadomasochisme, comme ça, aucun. Ouais. En plus, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu de déférence vis-à-vis de moi. C'est spécial dans ces cas-là, je l'ai dit tout de suite. D'une rigueur, d'une froideur, de toute ambiance, hein, a fortiori les ceux de 2m10 après, mais j'ai ressenti cette... je dis pas froideur physique, mais une dureté, oui. Voilà, et puis quelque chose de rigoureux. Pour moi, c'était des soldats, des gendarmes, gendarmes, c'est effroyable ce qu'on peut... J'ai jamais eu peur une seule fois, jamais, même quand vous avez allongé le premier coup, je... Mais jamais eu peur. Jamais. Donc ils n'ont jamais eu besoin de vous rassurer, en tout cas. Ils l'ont jamais fait. Consciemment. Semi-conscient, parce que quand on est là, puis s'il y a eu, je sais pas combien de jets, quand j'entendais le doux ronronnement que je voyais dans le hublot, je sais pas ce qu'il m'avait mis pour supporter le schpunzip, parce que je peux vous dire que ça bourrait. Hein. Par contre, l'autre endroit où on a été, je n'ai même pas vu les limites de la pièce ou de l'engin. Bon, alors, je reprends avant, je suis désolée. Vous vous retrouvez, vous ne savez pas comment vous êtes rentré dedans. Si, d'abord. Madame. Ah, vous en souvenez, bon, alors, vous si, madame, ça. Je ne me rappelle plus si c'était à la vente ou sur le dos. J'ai une tendance pour le dos, je me suis même dit... Ah ben, est-ce que vous êtes vu quitter votre voiture ou ça, non? Quitter la voiture, non. Mais monter, oui, ça n'allait pas trop vite. Hein. Je me suis vu rentrer dans ce fameux grand trou qui s'est ouvert, comme une lentille d'appareil photo, là. Ouais. Et je me suis fait réflexion en premier, en voyant ces trous, il y en avait 8, là, d'un mètre de diamètre environ. Hein. Ben, je dis, non, ça a drôlement chauffé, c'était blanc, blanc, après blanc un peu plus foncé, et puis on s'éloignait des trous. Est-ce que c'est des passages d'ondes, je ne sais pas, même pour la substantation, comme ça, mais ça devait carburer, hein, parce que l'engin, vu la taille et tout, fallait quand même mettre la sauce par terre pour le tenir en l'air. Vous aviez l'impression que c'était métallique, hein. L'impression. Ah oui, puisque c'est là où vous avez vu que c'était rouillé par endroits. Hein? Loin. Ouais. Mais je dis, qu'est-ce que c'est cet engin? Parce que j'avais vu une masse, alors en tiradar, gazeux, je ne sais pas, avant. Oui, parce qu'il y a la fameuse matière noire, entre guillemets. Ouais. Je suis passé à travers. Voilà, c'est-à-dire que c'est le dessous de l'engin était masqué par
un espèce de un masque gazeux noir. Donc quelque chose en fait qui absorbe la lumière en fait. Ou les ondes radar. Vous savez que ça existe, la physique appelle ça un plasma froid. Même l'avion américain, pourquoi il n'est pas en noir, il est peinture exprès qui font que ça reflète les ondes. On peut dire que ça peut être ça, j'en sais rien. Mais qui n'est pas collé, parce que moi, quand je suis monté, je me suis vite trouvé au-delà de ce masque, puisqu'après, je sais que c'est ce bordel, et puis j'ai vu ce truc. Alors, vous vous retrouvez dans quoi? Essayez d'être le plus précis possible pour que je vois. Mais dans quoi? Allongé, à poil, habillé, j'en sais rien. Donc, vous passez à travers ce sas, le trou, là, qui se dilate. Qui était éclairé. Ça diffusait, c'est ce qui m'a permis de voir les trous, tout le truc, vraiment, j'aurais rien vu. Mais d'une couleur jaune, lampe à incandescence, des trucs fluo, des trucs. Non, c'était peinard. Et je suis rentré en faisant des réflexions sur la tôle rouillée, ce qui avait chauffé. Et puis après, là, j'ai dû avoir un coup de bambou. Donc il n'y a pas de continuité. Vous passez ça et ensuite vous retrouvez sur la table avec une espèce de. Alors attendez, sur la table et autour de vous, vous arrivez à voir. J'ai vu que le plafond. Et puis le hublot, là, tenait grand comme le corps de panneau, qui était là un peu plus près, peut-être légèrement incliné comme ça vers l'intérieur. Et le robot, là, à coup sûr, je peux dire que c'est un robot. Et qui avait celui qui avait les dents, non? Oui, c'est celui-là, je peux vous faire voir. Il y avait deux rondelles en plexi, là, il n'y avait rien derrière, le casque un peu rond de tous les côtés, tout droit. Et je n'ai pas vu en dessous, puisque... Mais le tenteur sous les... Il n'y avait que ça qui dépensait de la table, pratiquement. Il avait un vêtement de couleur ou... Je ne sais pas, j'ai pas vu plus bas. Le casque était haut, comme ça, à peu près. Donc c'était la table à 80, 80 et 30, 35, et bien ça fait 1m15, 1m20, un truc, mais en robot, je peux dire, c'est pour les yeux globuleux, les choses comme ça, donc, et puis là, on est parti. Ce que je dis, pas souvent, presque jamais, c'est qu'à mon avis, on est passé tellement près de la Lune, mais j'en ai pas un souvenir conscient, seulement après. Après coup, je regardais la Lune que je connais depuis que je suis né et qui m'a jamais fait. Si vous étiez un homme, je dirais un mot plus sensé pour faire comprendre. Et j'en restais comme si j'avais vu la Vierge Marie autour en regardant la Lune comme ça. Donc il y a bien une relation de quelque chose. Vous étiez ligoté ou vous étiez simplement allongé sur la table? Je sais que j'étais comme ça. Mais vous arriviez à bouger la tête, puisque vous arriviez à voir ce qui se passait par le hublot. Les moments étaient tellement courts de reprise de conscience que... En fait, j'ai repris conscience 2-3 fois maximum, mais c'était fugace. Et la dernière fois, c'était le pompon. Là. Le pompon, mon lascar à côté, là. La dernière fois où je me suis réveillé, j'avais plus du hublot, mais j'en avais un à côté de moi. J'ai commencé par les pieds. Je dis, putain, bon Dieu, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Et trois gros doigts comme ça, pour les pieds, comme les autruches, les émeux, là, je sais qu'il y en a qui ont trois, rien derrière. Mais on voyait que ça, parce qu'après, l'uniforme, légèrement fuseau, partait tout de suite au-dessus. Il y avait une pliure du joug qui était à l'envers de nous. Mais comme les oiseaux. Pas comme ça. Les joues à l'envers comme les oiseaux. J'en ai bien vu parce que moi j'étais comme ça, j'ai commencé. C'est quoi ça? Donc j'ai remonté au fur et à mesure. Après le genou. Après je suis remonté. Les mains, il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai continué. Alors c'était long parce que, à mon avis, c'était 2m10, 2m15. Enfin, il y en avait pour un moment à monter. Après les épaules, alors c'était comme ça, et puis pour finir, pompon, la tête d'aigle, mais l'aigle plus que royal, tête d'empereur, pas royal, avec les regards, les yeux,
c'est un rectangle. Il ne dit pas ça de langue. Non, tout n'est pas écrit. Ah, bah, enfin, bah, il y a un dessin. Il y a un dessin. Non, non, oui, mais je ne sais plus. Non, mais le dessin, c'est des portraits rayonnés. Oui, mais enfin, bon. Une tête d'aigle, alors. Avec un bec. Quelque chose comme, si vous voulez, vous vous rappelez vaguement les Égyptiens, cette espèce de truc qu'ils avaient là. Voilà. Vous voyez. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'était comme des écailles métalliques, argent, éteint, enfin quelque chose un tout petit peu brillant, ça ne brillait pas. Et puis là, c'était vraiment... Et les yeux étaient par là, ni comme ça, les oiseaux, entre deux, avec un rectangle. Mais alors, pour ça que j'ai jamais eu peur. Quand on avec un rectangle, attendez, dans la pupille, quoi. Oui, la pupille, c'est un rectangle. Droit. Oui. Mais... Je vous dis, je regarde des fois des têtes d'aigle sur des catalogues, des machins, c'était encore au-dessus. Hein. Excusez-moi l'expression, il y en a 9 sur 10 qui auraient chié dans leur fox, ils l'avaient encore. Vous ne l'avez plus, et vous ne le savez pas. Ah hein. Bah peut-être. Je ressens le naturel qui revient en galop. Hein? Je suis bourguignonne. Je ne sais pas, monsieur Delangue, si de temps en temps vous regardez la science-fiction avec vos petits-enfants, à la télé, ou des choses comme ça. Parce que je me souviens quand j'avais vu le dessin de la tête, ça m'avait rappelé Stargate, le feuilleton Stargate. Il y avait le film Stargate où à un moment, ce sont ils voient sur l'autre planète, ce sont des soldats qui ont des masques d'anciens dieux égyptiens. Dans l'immortel, c'est comme ça. Mais dans Stargate, et on voit, ça fait clic clic clic, voilà, et on voit le voilà. Et par ça contre, fait je dis masque parce que plein en dessous, qu'il voyait en dessous. Je me suis fait la réflexion. Et après les traitements comme ça, j'ai encore dit, c'est merde, c'est marrant, le menton était fuyant. Des bestiaux comme ça, de cette hauteur des épaules comme ça, on aurait un menton volontaire. Je m'en suis fait la réflexion sur plein en disant, c'est bizarroïde, le menton est fuyant. Hein. Et puis l'uniforme était mastic, ce qu'on appelle mastic, je prends la couleur mastic, avec une bande marron large de 3 cm environ là, et là, un marron moyen, hein, pas tête d'un aigle, mais ni trop clair, moyen, il y avait une bande là et une bande ici. Et il m'a semblé, et ça sous toute réserve, qu'il y avait quelque chose de blanc derrière. Est-ce des bouteilles, est-ce des ailes, je ne sais pas. Ou des réservoirs d'oxygène. Ou des ailes repliées. Ouais. Enfin, il venait jusqu'en bas du dos, non? Il était. Donc c'est uniquement ici que j'ai distingué vaguement. Deux proéminentes blanches là. D'accord. Et après, ce coco est parti loin. Il y en avait 3 autres. Donc j'ai continué à regarder. Lui, je le voyais de dos. Il y en avait 2 de face et 1 sur le côté. Et alors, quand vous voyez de dos, ça ressemblait à quoi? J'ai pas enregistré. Donc, il y en avait 3 en tout, alors 4 en tout. Mais alors, comme votre regard montait, puisque vous étiez en bas, et que l'entité était beaucoup plus grande que vous, vous avez eu l'impression qu'il y avait comme un vide entre la tête d'aigle et le... J'ai dû apercevoir un menton. Ce que j'oublie, c'est qu'au milieu de tout ce catharnum de tête d'aigle, bien... Il y avait 3 crêtes ici, en chair, rose, mais rose chair, si vous voulez. Ouais, 3 crêtes, l'ensemble était large de 2 cm, 3. Mmh. Ça faisait 1, 2 et 3. Vous avez fait un dessin de ça? Non. Oh, j'ai la rame dans les mains. Attendez, vous avez pris des cours de dessin, profitez-en, Vénard. J'ai pas pris de cours de dessin, ça c'est des forces qui ont encore raconté des conneries. J'ai pas pris de cours de dessin. Bah, vous avez quand même dessiné ça. Oui, mais parce que je voulais fixer les souvenirs. Non, parce que rien que pour dessiner ça, déjà... Attendez, moi j'ai lu que vous aviez pris contact mais avec oui, un artiste mais... qui n'est pas voulu, ensuite vous étiez inscrit à un cours de dessin. Mais non, j'avais été au Plessis ici parce qu'il y a quelques bonnes femmes de vieux qui viennent... C'était pour voir si je trouvais un ou une qui voulait mieux croquer que moi. Hein. J'en avais un qui était dessinateur, qui faisait tous les journaux de Vaillant dans le temps. Cortier. Nortier, voilà. Ah bah oui, lui, il m'aurait croqué ça en 3 coulées gros avec encore plus de mordant que moi, hein, surtout. Il était mort, bon.
Donc j'ai été m'emmerder comme ça, mais jamais pris pour dessin. Hein. Je disais bonjour à tout le monde, buvais un café généreusement offert par eux, et ça s'arrêtait là, mais jamais pris. Non, non, mais. À propos de généreusement offert par eux, je peux moi servir? Eh bien, c'est là-bas, faites comme chez vous, j'ai remis, mais il sera peut-être pas bien chaud. Hein. Ah ben alors, il y a même l'eau froide, c'est. Non mais c'est dommage, il faudrait refaire oh non, quelque chose. Oh non, faites-moi le dessin, faites-moi le dessin, faites-moi le dessin. Vous prenez la plus belle tête d'aigre plus que royale, vous voyez, mettez des trucs comme ça, et puis cette espèce de traite de coq, mais pas si pointu, trois arrondis ouais. Là, et c'est par là que, par en dessous, j'ai vu que ça devait être un... Pourquoi qu'ils se mettent comme ça, peut-être que... C'est la puissance. Un bec. Si vous allez au Louvre, vous savez, au Louvre, les antiquités sumériennes. Ouais, bah ça, je connais par cœur. Oui, vous avez des petites statuettes dans les vitrines. Ouais. De ce type, c'est très curieux. Je sais pas si les Sumériens, chez les Égyptiens, pas chez les Sumériens. Mais non, pas chez les Égyptiens. Chez les Sumériens. Oh non, mais même. C'est Babylone, tout ça. Ouais, mais effectivement, il y a même les ailes déployées avec des trucs. Non, mais c'est ce qui me fait penser à la musique. Ce qui me fait penser le plus à sa description, vous voyez. Alors, après ça, bon, ils m'en ont tellement dit que. Les choses qui m'ont frappé, bon, le coup de dire c'est la fin des haricots, c'est merde. Ils m'ont dit aussi que les corps, ils en avaient rien à foutre. Oui. Ça, et c'était pour moi traduit dans mon langage vulgaire. Et bon, par contre, ils m'ont dit d'arrêter de fumer. Donc j'ai dû quand même avoir une petite radio. Manifestement, ça vous a quand même. Pas. Non, j'aime pas qu'on me commande, même quand ça vient de... Alors, pour ça, l'année d'après, au jour anniversaire, je me suis pris une patate à la chasse dans le dos qui faisait au moins 300 kilos. J'étais embourbé dans cette gadoue dans le chemin qui descendait, ils sont mis à trois pour me sortir, et je suis tombé sur la boîte de cigares métalliques que j'ai là. Ici, ça va, madame. Ça, une poussée dans l'eau, parce que je ne suis pas encore nance complètement. Non, mais j'ai une sorte de gadou. Oui, d'accord, oui. Et j'ai vous pris une poussée dans le dos oui. Que j'étais engadouillé jusque-là. Hein. Ils sont venus, je ne pouvais plus me sortir, puis une douleur. Et j'ai eu deux côtes de cassé par la boîte de cigares en disant, on t'avait dit, ça fait 7 ans et demi. Hein, alors après, pour le folklore, ils m'ont même dit, si tu arrêtes de fumer, on te fait gagner, comment vous appelez ça? Le monopoly de la terre, le loto. Eh ben, j'ai même pas essayé. Vous vous rendez compte comme je suis con? Ou comment je suis drogué avec le tabac? J'ai même pas essayé. Et ça, véridique, comme je vous le dis. Hein. Bon, c'est là. Il y a un tas de paradoxes aussi qui se greffent. Tombo. J'ai su 6 mois après, mois de juillet, oui, c'est ça. J'ai acheté chez l'Espace pour la première fois, à Jarre, en Vendée. Et les deux Suisses là qui cherchaient les exoplanètes, c'est eux qui ont, il y a Mayor et puis l'autre. Ils ont trouvé tout. Dans les 8 premières ou 6 premières, qu'est-ce que je vois? Tobo, j'ai ma femme, tiens, ben, je cherche pas. Voilà, c'est ce qu'il m'a raconté. Alors c'est à 49 années-lumière. C'est pas la porte d'un côté quand même si on a un vélo de course. Attendez, parce qu'au début, toujours, je me réfère à ce que j'ai lu, hein. C'était pas Tobo, c'est devait être Torbo, anagramme de robot. J'ai dit, Desforges, c'était mon homme d'année à l'époque, mon gorille. J'ai dit, après les traitements que j'avais subis depuis le coin du bois et les balades et tout, j'ai dit, il m'a dit Tobo ou Tobo. Il y avait des variantes. Il y avait deux variations. C'est ce que vous aviez dit à Irène. Et, hein, et ils ont marqué Tobo. Bro, Tobro. Voilà. Parce que dans la langue française, à part Zoho, qui a deux mots, je ne connais pas beaucoup de mots. Donc ils ont dit Tobro. Et monsieur. Mmh.